Notre ancien capitaine a été bien occupé. Concessionnaire. Une couverture pour la mafia coréenne. Je connais quelqu'un sur place, un certain Boomer. Ici, c'est la concession de Kang. Des caisses venues d'un peu partout. Les hommes de Dose conduisent les trains. Allons foutre en l'air le business de ce monsieur Kang. Il y en a pour 9,9 millions de dollars de cocaïne. Je laisse pas ça traîner ici. Oh. Allez ! Oh putain ! Bon, tu nous dis ce que tu fais ou pas ? Oh, tu tiens vraiment à ce que j'explique le truc super technique que je suis en train de faire ? Non. Ouah, attendez voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Une invitation envoyée à Kang. La liste des invités est intéressante. J'ai bossé pour la moitié d'entre eux. La fête aura lieu sur le mont Olympe. C'est un genre de code ? C'est vrai que c'est un nom à la con, mais le quartier existe vraiment. La petite teuf commence ce soir, minuit. Kay et moi, on ira. Ça te branche ? Ah. Les fêtes, c'est pas ma tasse de thé, mais... ça marche. Sexy. Allez, on fonce, ça va se déclencher. Où est-ce que t'as trouvé cet appareil ? Par Boomer. Il a travaillé pour pas mal de voleurs de banque. Faut qu'on trouve comment entrer, en évitant l'entrée principale. On entre là-dedans avec discrétion. Dans la mesure du possible. À qui appartient la maison ? Neil Rourke, une pourriture notoire. Il donne dans le trafic de drogue et d'armes. Bref, le candidat parfait pour créer une police privée avec Dose. C'est ce que je pense. Il a une grosse sécurité, voilà pourquoi. J'ai apporté ça. T'inquiète pas pour les alarmes, le courant est coupé. C'est juste l'éclairage d'urgence. Le courant n'est pas rétabli. Pas de panique, Boomer sait ce qu'il fait. On y est. Maintenant, il faut trouver où placer le mouchard. Boomer a dit que plein de connards assistaient à la réunion. Il faut qu'on trouve un genre de salle de conférence. Par ici. C'est moi ou cet endroit a l'air un peu trop calme ? Tant que je me fais pas tirer dessus, j'ai pas à me plaindre. Bon, si on était chez toi, où est-ce que tu organiserais une cons... Rourke envoie pas mal de trucs à quelqu'un. Faut vraiment se la péter pour vivre dans un endroit pareil. Faut surtout être très riche, faire partie des nantis d'Hollywood. En haut. Putain de baraque et putain de vue en prime.
merde. Excuse, j'ai pas éteint mon portable. Je suppose que c'est ton premier cambriolage. Chut. T'entends ça? La rencontre a bien lieu dans 2 heures. C'est ce que disait l'email de Kang. Cherche un endroit où poser une part. Ça va marcher. Ok. Mouche à remplace. Allons-y. Oh oh. Merde. Allez. La lumière est ravée. C'est du générateur en route. Je croyais que ça devait commencer qu'à minuit. Changement de programme. C'est par ici, messieurs. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je pensais que Kang allait nous rejoindre. Kang ne viendra pas. Sa femme est malade. Malade? Elle a 25 ans. Elle a quoi, le nez qui coule? Kang n'est plus dans la course, version officielle. Voilà pourquoi la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu. Je croyais que vous étiez chargé de sa protection. Nous offrons plusieurs niveaux de sécurité. Qui l'a tué? Vous? Moi, je me casse. Messieurs, asseyez-vous. Fermez-la. Laissez parler notre homme. Vous savez, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. À Miami, on a négocié des trêves avec un tas de connards dans votre genre. Et au final, on a toujours réussi à s'entendre. En discutant. On ne veut ni votre territoire, ni vos produits. On contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers. Vous nous payez, on vous fait profiter de ce réseau. Ça a marché à Miami. Alors, je préférerais voir nos sommités locales se mettre à penser en hommes d'affaires. Bien joué. Pour fêter notre accord, une limousine va déposer ici la fine fleur des étudiantes à mi-temps les plus délurées d'Hollywood. Si vous voulez bien vous rendre dans la salle de luxure, amusez-vous bien. Vous voulez me parler de quelque chose? Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami. J'ai quelques personnes à voir. Mais je repasserai dans la soirée. Votre argent sera gardé dans mon coffre le plus sûr. Ouais. Soyez tranquille. Il est ici, ce salaud. Kai. Si on se glisse par la fenêtre, on peut encore la voir. Oublie Stoddard, j'ai une idée. Hein? Passe ton téléphone. Ok. Pourquoi? Il y a des trucs importants dessus. Juste le jeu Candy Truc. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Tu veux voler le fric de Dawes avant qu'il ait le temps de le blanchir? Ouais. Ce serait plutôt marrant, mais tu te débrouilleras seul. Attends, quoi? Il faut que je parle au sergent Stoddard avant qu'il s'en aille, et on peut pas s'infiltrer tous les deux dans cette maison. Oh. Allez, viens. Aide-moi à monter. J'aurais jamais dû te faire confiance. C'est personnel. Personnel? T'as aidé Dawes et Stoddard à m'envoyer en tôle pendant 3 ans. C'est pas personnel, ça? Désolé de te décevoir. Ma mère est morte quand j'étais en prison, Kai. Oh, merde, Nick, je suis... Tu sais quoi? Ferme-la. Je m'en branle de ce que tu fais. Non. Le courant était coupé quand on est arrivé. D'accord. Faut que tu joues. Ouais. Ouais. J'en sais foutre rien. Arrête-toi tout de suite! T'as fait quoi comme score l'autre jour? Je dirais 85. Sans tricher? Qu'est-ce environ 95. Il faut que tu retrouves Nicole. Alors? Vous le prenez au sérieux, le deal de ce Stoddard? Bouge pas là! T'as l'air de le prendre très au sérieux. Moi, ça me fait pas aller. Ok, ok. Ils n'ont pas de problème. Dis le mec qui triche au golf. Ok. Pas de problème. Hé, hey. Pas de...
sur le dos nous fera économiser pas mal d'argent. Visiblement, ça pose problème. Hé hey, garde les mains bien en évidence. Elles arrivent dans combien de temps, les putes ? Hé, hey, un peu de respect. Ne bouge plus ! Oh, oh ! Police, plus un geste. Hé hey. Ok, pas de problème. Stop ! Garde les mains en l'air ! Arrête-toi tout de suite ! Bouge plus! Tu restes où tu es! Les mains en l'air! Go! T'es taré! Oh merde! Putain! On a un problème! Stop!
Les mains en l'air! Ne bouge plus! Arrête-toi tout de suite! Qu'est-ce que...
Apparemment, tu sais pas qui je suis, parce que sinon, tu t'amuserais pas à venir me voler. Il en faut plus pour me faire flipper. T'as l'air mexicain, donc tu dois être un cambrioleur. Mais je pense que t'es pas un cambrioleur ordinaire. Il y a plein de propriétés plus faciles à braquer dans le coin. Et pourtant, t'as choisi la mienne. Je me demande bien pourquoi. C'était un bon challenge. On va pimenter le défi. J'ai appuyé sur un bouton et une dizaine de psychopathes déchaînés équipés d'armes automatiques vont appliquer. Tu flippes toujours pas ? Alors là, ça m'étonnerait. De mon point de vue, en tout cas. Ah, ça, c'est très malin. Deux hommes sur le coup. Façon de parler. Toutes mes félicitations. Vraiment. Mais si j'étais vous, je prendrais tout le fric que je peux et je le claquerais rapidement. Acheter de l'or, un bateau de croisière, parce que je vais pas vous lâcher comme ça. Ça, non, croyez-moi... La ferme ! Salut ! Je viens me rendre utile. Faut que tu coupes l'alarme. Ça servira pas à grand-chose. Il y a plein de types qui arrivent. Oh merde. Hé, hey, par ici ! C'est quoi, bordel ? Pas à scoltiner tout un tas de paperasses. Estodard, tu l'as eu ? J'ai pas essayé. Je me suis dit que t'aurais sans doute besoin d'un coup de main ici. Merci, au fait. Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que Dawes et Stoddard t'ont fait, d'ailleurs ? Disons que j'ai pas toujours été du genre à entuber mes coéquipiers. Je vois. Juste pour info. L'objectif, c'est pas de tuer Dawes. Pas pour moi. Ok. Alors c'est quoi l'objectif ? Pour toi ? Je veux sa ruine. Parce que c'est ce que lui fait. Il ruine les gens. Et Stoddard ? Stoddard, je me contente de le buter. T'auras d'autres occasions, je suis prêt à le parier. Après ce soir, c'est lui qui viendra nous chercher.